Le devine de qui? D'être là, bien sûr, parce que pour témoigner simplement du fait que vous avez ensoleillé l'hiver du rugby français. Alors, je dois probablement relativiser mes propos au regard des 15 derniers jours, parce qu'effectivement, on a vu de très bonnes. Allez, un peu bon, Jacques. C'est l'instant solennel de la soirée. Non, quand on disait que c'était formidable, les images parlent pour nous. Je crois qu'il n'y a pas de remontée à faire. Olympique de Laurent, c'est vous pour les photographes. Eliane Lams, Oscar Midi Olympique, remis par Jacques Verdier, directeur délégué du Midi Olympique. On peut l'applaudir encore plus fort. Hein. Alors, je ne sais pas si on peut comprendre, parce que moi, il partait, donc il reste un gros peu. D'accord. Alors, pardon, je vais lui montrer. Par contre, il faut le remettre là-bas. Ah, voilà. Montre-lui ce qu'il va falloir qu'il passe toute la soirée. Chaque photo, trophée, milieu, assis. Mesdames, assis. C'est que dans le pays. Merci, Jacques Verdier, directeur délégué de l'Olympique. Et donc, qui est venu professionnel, ça. C'est pour ça qu'on a beaucoup de plaisir à venir à Bordeaux. Laurent s'est démarqué, recrue géniale, c'est vrai. Comment s'est passé son arrivée à Bordeaux? On a rigolé tout à l'heure encore avec Vincent, parce que autant on peut se gargariser d'avoir trouvé des joueurs en faisant beaucoup de vidéos, en ayant beaucoup travaillé, autant Eni, je me souviens qu'il arrive une année où on est en fin de recrutement, on ne trouve pas de demi-mêlée. Son agent Manu Blanville, hein, à l'époque, me dit j'en ai un bon, voilà, demi-mêlée. Bon, moi j'étais un peu en bout de course, j'en parle à Marc Delpouce qui me dit, écoute, moi, je sais pas, demande à Vincent ce qu'il en pense. Je crois que Vincent a regardé assez rapidement également, et donc on l'a pris comme ça parce que on a vu quand même son parcours au Bulls. Et puis, on va peut-être laisser parler Ludo après, parce que je pense que Ludo a des trucs à nous dire sur l'arrivée de... On va aller voir dans la vidéo. Et puis moi par contre je me rappelle du premier entraînement après avoir reçu l'avis de Ludo, et ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que je me revois marcher le long du terrain et je découvre Eni comme ça sur le terrain, et je voyais faire des passes à une allure incroyable, j'avais jamais encore vu ça, donc je me suis dit bon, donc quand même être pas mal du tout, et puis ça a démarré comme ça, quoi. Aujourd'hui on a le sentiment qu'il est adopté dans ce club, on le voit, l'ovation qui lui est faite, les applaudissements. Il est plus qu'adopté, il fait partie des leaders, mais pas que des leaders de jeu, parce que la réussite de l'Union Bordeaux-Bègles, c'est aussi parce qu'on a eu la chance de trouver des garçons qui avaient du talent, et qui avaient également un état d'esprit assez incroyable. Et Eni en fait partie, avec le capitaine, avec d'autres, ce sont des garçons qui mènent le groupe, et qui nous tirent vers le haut depuis le début, et puis toujours avec le sourire, et toujours avec beaucoup de courage.
Alors, grosse influence ce soir. Qui est ainsi le manager à Bordeaux-Bègles, parce que aussi, c'est parce qu'il y avait déjà Ilian Adams, demi-géré. Entre autres, c'est vrai que ce sont des joueurs qui inspirent et qui entraînent des parcours aussi autour de ces joueurs, forcément. Et c'est vrai que Eni aussi a joué une grande part dans la décision lorsque le président Marty m'avait sollicité, parce que j'imaginais qu'avec ce genre de joueurs sur un terrain, on avait la capacité à repousser les limites. Voilà. Et c'est vrai que aujourd'hui, je suis ravi d'être à ses côtés. On est ravi, je pense, de célébrer un grand joueur du club, un grand joueur aussi du top 14, qui a eu un parcours exceptionnel depuis l'Afrique du Sud jusqu'à Bordeaux et qui s'y plaît à Bordeaux. Donc ça, c'est aussi une excellente nouvelle pour nous tous. C'est un leader ou un animateur, les deux? Pour moi, c'est un symbole. C'est le symbole du club, de cette identité faite de rigueur à l'entraînement et en même temps de plaisir. Et puis c'est un soleil, en fait. Voilà, c'est un soleil. Oui, comme il sourit, quand il sourit. Je l'ai dit récemment, il y a à peu près un mois, on était dans cette phase de réflexion vers la fin de la saison, en sachant que les matchs allaient s'enchaîner, avec cette chance aussi par rapport au calendrier de recevoir plusieurs équipes classées donc mieux classées que nous dans le top 14, et c'est vrai qu'on était à un moment de réflexion, et c'est vrai que j'avais eu un échange avec Eni, et je lui avais dit, voilà, tu sais, quand tu souris à l'entraînement, quand tu souris, les autres joueurs aussi, ils sentent cet élan, cette dynamique positive. Donc voilà, moi, le seul message que j'ai envie de faire passer à Eni, devant tous ses copains ce soir, c'est que tu continues à sourire. Keep smiling for the team. That's very good. Keep smiling for the team. Parce que l'on a participé à l'aventure de l'UBB, c'est Laurent Ferrer, aujourd'hui en ligne. Bienvenue. Allez, Laurent, vous dites. Il est là. Ah, c'est toi, Laurent. Oh, il ne peut pas s'asseoir, il n'y avait plus de temps. Et puis un joueur que vous avez vu avec ce maillot damier bleu et blanc, champion de France en 1991, André Bertozza, Dédé Bertozza. Où est-ce qu'il est, Dédé? Est-ce qu'il est là? Et où il va arriver? Il arrivera en rappel. Alors pendant ce temps-là, c'est à l'initiative un peu des dirigeants de l'UBB et puis de notre confrère Gérard Pifeteau. Cette UBB, créée donc en 2006, eh bien ils ont participé à l'aventure, vous allez voir, ils sont venus presque de tout le sud-ouest, et j'ai envie de dire de toute la France, ils vont nous rejoindre également. Vous allez pouvoir les applaudir. Nicolas L'Hospital. Julie Gaël Paquet. Allez, venez, à musique, bon, messieurs. Peyo Roussari. Bonsoir. Qui vient de la Côte de Basque. Et puis le staff de cette époque, Patrick Berger, Patrick Laporte et Raymond Sévilla. Ils sont là, allez, venez nous rejoindre. Merci, merci, messieurs. On va garder Eliana, qui est en train de... Merci. Allez, regardez-moi, s'il vous plaît. Nous appelons Monsieur Brun, Jean-Pierre Brun. Monsieur Brun. Alors, pour gagner